bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite d'Alien Isolation avec l'épisode 17 évidemment, toujours en 2K, 60 FPS, on adore le 2K, on adore les 60 FPS, il commence à être très très tard, on a parlé pendant 40 minutes des débats philosophiques, des débats de merde, voilà, il faut le dire, il est 23h31, installez-vous confortablement, on est parti pour la suite de notre incroyable aventure, l'alien n'est toujours pas revenu, peut-être qu'il est réellement mort, et on est parti, vous êtes encore très nombreux pour l'heure qu'il est, vous êtes 1800, voilà, hein. Ça c'est fantastique, on est parti dans l'horreur, à savoir YouTube, et aussi Twitch, j'en profite, il y a une barre hein, en dehors de Alien, une barre de sub-goal. Arrivé à 18 000, il faut savoir qu'on fera Outlast 1 en Let's Play 2K 60 FPS sur Twitch avec rediffusion YouTube. Donc, c'est le moment de soutenir Outlast 1, les gars. Ça, vous savez à quel point je déteste ce jeu de merde, voilà, c'est dit. Ce jeu de merde qui va m'emmener en enfer. Et à 18 500, on fera les DLC. Bref, ça ne s'arrête plus. C'est incroyable tout ce qui se passe. Et on va toujours plus dans l'horreur. Et si on atteint les 21 000, ce qui serait exceptionnel, Visage. Voilà. C'est le nom d'un jeu, les gars. D'accord. C'est pas une facecam. C'est le nom d'un jeu. Ok. Ouais, on m'appelle la gâchette sensible. Ça, on va prendre. Inventaire plein, pardon. Ça, on va prendre. Bougez pas. Inventaire plein, me dit-on. Eh, on va vider tout ça, les potes. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est bon, hein, on est bien, là, les gars, non? Attends, ça, peut-être, Fibiche? On peut pas. Hop, on est pas mal. Toujours pas. Peut-être que l'alien est... Je commence à croire que l'alien est possiblement vraiment mort, en vrai, non? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que l'alien serait... Ça m'étonnerait. Ne spoilez pas le chat, évidemment. Quand je vous dis vous en pensez quoi, c'est pour faire genre j'ai des interactions avec vous, mais vous savez que je vous déteste. Je ne suis qu'un vulgaire streamer qui lance son flux pour ramasser de l'argent. Évidemment. Évidemment. Et je ne lis pas le chat parce que là, je suppose qu'il y en a qui s'efforcent à donner la réponse et vous allez me spoiler. Moi, je n'aime pas être spoilé. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, c'est dit, c'est chose dite. In the eyes and wanges. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mort. Bref. Ripley? Quoi? Il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Attendez, les ascenseurs dans la sont HS. On dirait que les synthétiques de Six Sun n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Mais faut pas manger des magasins. Il va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Ok. Je suis complètement malade. Il a mangé un magazine? C'est quoi comme magazine? Pas du tout ça. On peut accéder au terminal, hein. C'est rien, il simule. Ah, il y a moyen. 83-82. Notez ça, le chat, parce que ça me dit rien du tout, ce truc de merde. Ok. Sixon à Sébastopol, les androïdes, sans fioritures produits à la chaîne, attendent encore patiemment dans leur boîte. Ah, ça veut dire que on est dans un caca pas possible. 83-82. Oh ouais. Attendez les gars. N'oubliez pas que je suis j'ai mon BEP hein. Ça c'est acquis les gars. Aucun problème. J'ai pris entièrement la situation. Voilà. Et ben 83-82. Incroyable. Qui l'eût cru que c'était aussi près? Qui l'eût cru? Alors on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on attend, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg? Attends, on a rien gagné. Non mais attends. Ah d'accord, c'était... Oh non mais gros. Moi je pensais que genre ça allait régaler. Mais pas du tout, que nenni. Allez, rentrons dans ce trou. Ok. Ressortons par ce trou. Waouh. Attends, mon pompe est rechargé. Mon pompe est rechargé. L'ambiance est toujours aussi folle, hein, faut le dire. Quelqu'un qui a vraiment le vertige, il est serein en regardant juste ça? Tiens, une vraie question pour tous ceux qui sont atteints de vertige. Ça doit pas être facile d'ailleurs, hein, faut être honnête.
Genre juste dans un jeu vidéo, avoir de la hauteur, ça vous fait bizarre ou pas? Non mais c'est une vraie question, hein. Attention, hein. Non, 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 ça va. Oui, ça va pour moi. Bof. Oui, ok, ok, ça dépend, ça dépend. On varie les plaisirs, on varie. Et YouTube, n'hésitez pas à répondre, évidemment. Vos commentaires resteront jamais aggravés dans l'histoire de YouTube. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je crois que l'échelle est en train de tomber. Il a fait le vertige! Oh, c'est pas vraiment un réflexe, j'ai éclaté mon front contre le clavier. Hein. C'est le mec, dès qu'il a peur... Qu'est-ce que c'est que ça? Dès qu'il a peur, il éclate son front contre le clavier. Ah, je m'y attendais pas, hein. Ah, ils sont forts. Ok, je vais entrer là-dedans. Bonsoir, il y a quelqu'un. Pour l'instant, ça va. Oh, il y a une bouteille. Il y a une bouteille de Jack. C'est de l'éthanol. Ça ne m'aide aucune utilité. En fait, je suis full partout. Je suis méga bien, les gars. Je suis trop strong, là. Vous entendez ce bruit un peu de ventilateur? Ça, dans les films d'horreur, c'est toujours un succès pour moi, sur moi. Je sais pas pourquoi. Vraiment, l'ambiance sonore est incroyable. Bonsoir. Alors, attendez. Non, Zinedine. Pardon. Il paraît qu'il faut pas le regarder dans les yeux. Ah ! Putain, ça marche pas, votre truc à la con. Monsieur... S ! S ! Cette théorie n'est malheureusement Ricardo, pas Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Attends, je pourrais le fouiller, le man, derrière? Ah, ben non, ben non. Vu qu'ils sortent de leur... ils sont vides. Il est vivant. Quoi? Il y a eu un bail? Il est mort. Ok. Ennemi proche? Ça sent la douille. Ok. Oh les bâtards. Il y avait un man là-haut. Oh les bâtards. Ça s'empile ou quoi ici? Non mais attends. Ok. On est mort. Je vais remettre ça en route, ils vont tous se lancer. L'ambiance, elle est tellement angoissante. J'ai la pâteuse, les gars. Ouais, je suis pas serein, les gars. Hein. Vraiment, je sais pas si vous... Quelques androïdes, si ce n'est pas déjà fait, ok. Je sais pas si c'est comme moi, là, mais...
je découvre un lambda dans ma suite. Quand je lui ai demandé ce qu'il foutait, il s'est jeté sur moi. J'ai carrément dû quitter l'appartement, putain. Envoyez vos meilleurs techniciens au noyau d'Apollo et découvrez ce qui va pas à la fin. Sur le champ. Gardez ces choses sous contrôle. Je veux un rapport complet au plus vite. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh la vache. Et en plus j'avais vu un... Les gars, j'avais vu un man traverser tout à l'heure. C'était mérité. Bon, ça va, force pas après. Hein. Je suis un homme mort. Enfin, je suis une femme morte. Oh non. J'avais pas assez rechargé. Si. Lâchez-moi. Oh, dans ta merde. Vous allez vous faire mal. Ah. Ok. Ok, ok, ça c'est un piège à sens unique, hein. C'est traître, hein. À part rusher, mais j'ai pas rusher au bon endroit, donc je me suis forcé à l'achever. Et ça c'est triste. Ah, je pense qu'on va mourir. Il va se passer des bails. Oh là là, c'est horrible. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être horrible. Les androïdes sont trop stylés. Les gars, c'est dans quel Alien qu'on voit les synthétiques? S'il vous plaît. D'ailleurs, je suis vraiment en train de me refaire. Alors là, j'en suis à Prometheus, le premier. On m'a dit de faire... On m'a dit de faire Prometheus, Alien 1, Alien 2, Alien 3. Donc là, je suis à Prometheus. Dans tous? Même le 1? Par contre, pas dans Prometheus. Dans Prometheus, il y a un androïde, il s'appelle David. Mais attendez, c'est les mêmes synthétiques que dans le jeu? Ils sont incroyables, ces synthétiques. Toutes les permissions sont annulées. Je n'ai pas le temps pour ça. Non? Wesh! Trop chaud, frère. Énervé, lui! Ouais, mais on m'a dit Covenant, c'était vraiment nul. Ah, c'est pas les mêmes que dans le jeu. Dommage, je les trouve tellement stylés dans le jeu. Je les trouve incroyables, hein. Ah, c'est tellement dommage. Ils sont angoissants, ils sont fous, les gars, dans le jeu. Trouvez Samuel. Prometheus est nul aussi. Ouais, mais on m'a dit de commencer par lui. Alors, on m'a dit Covenant, je pouvais passer à côté en vrai. Ok. Un bouton. Hop, j'appuie direct. Hein. On pose pas de questions. Wesh, les gars. Non, vous êtes des forceurs, c'est trop. Vous voyez, votre problème, c'est ça, frère. Une aide d'honneur, mon ref. Pour aller me faire démonter. Suzanne, ma chérie, je vais devoir remettre ça plus tard. J'ai reçu des rapports d'en bas au sujet de comportements anormaux de la part des androïdes. Il y a peut-être un rapport avec tous les gens qui disparaissent. Ah ouais, mais attendez, il pétait déjà un câble. Je m'attends à ce que les VIP arrivent tôt. Alors, j'espère que t'as mis les meilleurs hommes sur le coup. Amène-les à la salle d'expo, ils seront prêts. Zéro rendez-vous, zéro rendez-vous, zéro rendez-vous. Ok. Soirée rancard, très bien. Ça me plaît, ça. T'as quoi, toi, mon ref? À part la mort. Les gars. Ok.
J'ai une bombe IEM si jamais ça vrille trop. Ouais. Mais en fait, la bombe IEM, c'est pas si ouf que ça. Le seul vrai point négatif du jeu, je trouve, c'est le menu. Très dur, hein. Sortir comme ça sur la roulotte, sachant que tu peux plus bouger et tout, pas facile, hein. Bon, les gars, qui va me démonter en premier, les gars? Pression d'être dans un film pour adultes, là, hein. Ok. Oh là là, putain, trouver une issue pour sortir, ok. Il y a bien qui va se réveiller. Très bien. Alors là, le doute m'habite fort, très fort. À faire. Il y a eu un bail là, non? Il y a pas eu un bruit genre level designement parlant, je pense pas qu'on devait partir. Samuel s'est rendu au labo. Trouver, apporter, ok, trouver une issue pour sortir de la salle d'exposition des synthétiques. Non, mais ok. C'est contre-intuitif dans un level design de demander aux joueurs de repasser par un tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a forcément un bas ici. Ça va, toi, t'es bien sapé. Ça va, toi, t'es sapé comme jamais. Ok. Oh, putain, mais fais pas ce bruit, cousine, aussi. Sasa Gayo! Sasa Gayo! Allez. Forcément, il y a peut-être un bail, je sais pas, je cherche un interrupteur, mon ref. Un fumigène comme ça. Quoi? Non, là on se fout de ma gueule, les gars. Oh! Qu'est-ce qu'on va pas rester bloqué 20 ans dans cette salle? Attends. Teubé ou quoi? J'ai reçu un rapport d'en bas, il y a peut-être un rapport. Je veux que tu ailles dans la salle d'expo et que tu t'y enfermes. Il y a un bouton de verrue près du bureau. Ah voilà, putain, fallait lire aussi. Il y a un bouton de verrou près du bureau. Et pour moi, le bouton de verrou, frère, je veux dire, je connais un gars, il connaît un gars, il a vu un gars, il m'a parlé d'un gars.
Ah, il y a un bail. Il y a un bail de Dubaï. Voilà. Bon, ok, ouais, bon. Allez, on est mort. Vous n'avez pas pris rendez-vous. Ok. Incroyable par contre l'effet. L'effet était fou. Ok. L'effet était fou les gars. Prends rendez-vous la prochaine fois. qu'est-ce que tu veux dire par... j'ai fermé la porte d'accès derrière moi. Oh putain. Tes flingues et ton matos me font ni chaud ni froid quand le synthétique que t'avais au cul est encore là, bordel. Je crois qu'il m'a pas vu, il est debout et regarde tes vieux magazines sur le balcon. Reviens là tout de suite et ouvre-moi la porte. Ok. Je ne sais pas trop combien d'entre vous seront encore là quand vous aurez ce message, mais j'ai des armes et des provisions et je pars m'installer près de la boutique à l'extérieur de la salle d'expo. J'espère qu'on sera protégé de la créature là-bas. Je suis avec Smith et on attend d'accéder à la réception. Ok. L'équilibre du jeu, si vraiment ils ont fait synthétique. Oh putain, on vient de gagner une bombe IEM qu'on vient tout juste de dépenser. Oh putain, on vient de gagner deux bombes IEM qu'on vient de... Incroyable. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Ça nous régale! S'ils ont fait vraiment le côté... un coup t'affrontes les synthétiques... Tu commences le jeu, t'affrontes les synthétiques, ensuite tu affrontes... l'alien, puis tu réaffrontes les synthétiques pour te faire oublier l'alien. C'est fou, c'est des génies. Oh, veuillez patienter. Alors ça, c'est le pire message à me montrer, ça. Wesh, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui... Attends, on est dans Call of, là, ou quoi, les gars? Oh lolo, on est dans Call of là les refs, c'est comme ça là? Ok. Bon bah on va resave. Ok. Là ça va être Call of Duty time. J'ai toujours attendu ce moment, putain. Il est temps de se venger de ces foutus synthétiques. Attends. Attends, on va vraiment tout fouiller quand même. Voilà, une plaque d'identité. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. La tête de ma mère, venez. Carte d'accès. On est mort. Ils sont bien organisés, les gars. In the eyes of the Rangers. Young and speaking Rangers. C'était une carte d'accès. Oh putain, c'était sûr. Et c'est lui qui avait la carte, c'était le premier. Putain, c'était le premier que j'ai tué. J'ai le sub. Mais attendez, j'aurais juste pu le fouiller avec la bombe IEM. Mais voilà, je suis le roi des connards.
synthétique de Wayland Mutiny enregistré. Ça va. Tentative d'accès non autorisée. Ah, c'est pas grave. Non, faut les buter pour les fouiller, t'inquiète. Ah, vous m'avez rassuré. Assurez-moi, ça save là, hein, automatiquement, comme même. Hein. Samuel, ça va être entre toi et moi. In the eyes of an angel. C'est beau l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous les uns des autres. Vous allez finir par vous aimer, bande de cons. Ok. Ça marche pas. Rien, juste une couille de plus sur cette station. La routine. Pardon. Ok, les problèmes, toujours les problèmes. Je vais mourir. Bordel de merde. Ok. Ah, faut les regarder pour pas qu'ils se réveillent. Putain, mais moi on m'avait dit de pas les regarder justement. Oh, c'était pas efficace. Toujours la même panne, toujours le même geste. Ok. C'est quoi cette musique, les gars? Mon rapport dans le processeur d'Android. On a un problème. On a des victimes androïdes et humaines sur la station. On vient de me signaler qu'un androïde a été amené à l'APTC avec une lésion à la tête. Mais il est couvert de sang. Du sang humain. J'ai alerté les marshals et placé ma secrétaire en lieu sûr. Je me dirige en ce moment même vers le transit. Je vais demander à un lambda de consulter Apollo. Il sait peut-être qui est le foutu responsable de tout ça. Ok. Allez, on va save et on va s'arrêter là pour cet épisode 17 qui a déjà... Il y a eu quelques petits frissons. On va pas se mentir, il y a eu quelques petits frissons, surtout un qui m'a un petit peu choqué et clairement pas déçu. Les amis, il est temps de s'arrêter là pour cet épisode 17. YouTube, n'oubliez pas le j'aime, ça fait toujours plaisir, et le commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve tout de suite en live pour l'épisode 18. A tout de suite, évidemment.